Moment historique à Mirabel. Un Airbus Beluga a atterri pour la première fois. Philippe, des dizaines de personnes se sont déplacées pour assister à l'événement. Exactement, parce que vous l'avez mentionné, c'est un moment historique. 13h16, atterrissage réussi de ce Airbus Beluga ST. Vous le voyez là derrière moi, il est bien stationné ici à l'aéroport de Mirabel. Il devrait se rapprocher dans les prochaines heures et on va vous les présenter à TVA Nouvelles. Mais vous allez voir les images de son atterrissage à 13h16. Moment historique, c'est la première fois qu'un appareil de ce genre atterrit ici dans le Grand Montréal. Qu'est-ce qui fait que c'est spécial? C'est cet appareil fait partie des super transporteurs, donc ces avions immenses qui servent justement à voyager là, des pièces comme des ailes d'avion, des appareils aérospatiaux, des satellites également ou des véhicules militaires. Donc c'est en raison justement de son volume qui est immense que l'on réussit à emmagasiner des appareils de cette taille. On peut écouter d'ailleurs un des porte-parole de Airbus. Alors moi j'ai toujours été fan des avions en général, mais du Beluga en particulier. Et le voir tous les jours, c'est vraiment une chance, c'est un plaisir, c'est un honneur de travailler aussi au plus près de cet avion-là. Parce que c'est un avion qui est unique, qui peut apporter quelque chose vraiment de nouveau sur le marché, de répondre à un réel besoin. Et en plus de ça, la partie aussi sustainability qui est importante pour nous, c'est un avion qui peut transporter jusqu'à 50% de biocarburant. On a hâte de pouvoir voler de plus en plus souvent et puis on espère venir de plus en plus souvent à Mirabel aussi. Un passionné. Et Philippe, cet avion ne restera pas longtemps à Montréal. Il est prévu qu'il parte pour l'Europe demain. Exactement. Direction Toulouse demain. Il vient d'arriver, là, il partait d'un peu plus tôt aujourd'hui de la Floride, d'Orlando, parce qu'il était en voyage, en mission. Il allait porter un satellite pour la station SpaceX. Donc, il revient avec maintenant une partie de la cargaison et direction Toulouse. Donc, petit arrêt à Mirabel, mais quand même, c'est pour vous rappeler que c'est une première ici à Mirabel d'avoir cet appareil, un avion Airbus Beluga ST. Merci beaucoup, Philippe. À plus tard.